C'est la question que vous, journalistes, et Sengeli Botuna Nambon, basez régler compte nanani. Et pourquoi lui pense qu'ils allaient régler des comptes? Ambongo en sait quelque chose. Naebi que Batulelo, ils ont information à copier cette même si elle est catalogue. Naebi que Batulelo bazo landa actualité ta makambo izo le kana est. Regardez la communication ya gouverneur militaire ya Ituri. Alobi ba religieux, notamment monsieur l'abbé aye ko proposer ba faire. Ba lobi nani des religieux. Qui est un bon mot religieux? Ça veut dire quoi? Oh. Mais je vous dis de vérité. Monsieur le gouverneur militaire à l'obi, bah religieux, bah yé, bah proposer yé, bah faire. Ati kako sala moussala na yé ako sécuriser population na territoire national, bah kende ko sala ba kopri ya ba minerai. Et il a cité à l'obi bien, à bandi na bah religieux, mais à la fin il a dit, monsieur l'abbé, je n'ai pas peur de vous. Nous avons le droit de s'exprimer librement. Et puis, Moutou, à Koki Kobang Samoutou, à Zalité. Il a été invité dans une réunion avec les députés de l'UDPS, les députés provinciaux de l'UDPS, avec les députés provinciaux des 4 AC. Au courant de la réunion, Bumba Alali, les députés ont été déçus, les députés provinciaux. Comment y'a une réunion à Mouké va présenter un quantité dans l'UDPS. Donc, comme une réunion, y'a écoutez, si tu as dit que là, là, nous avons un débit, et bien quand tu as un gouverneur, un bureau climatisé, tu as un compte de gauche à droite dans ça. Bandeko balandi ya DRC News to pesilino mbote na bisika nyonso tout vos amis merci hein merci na ko accepter biso na bisika nyonso tout en tout cas o bolanda ka chaîne na bino DRC News merci pour vos encouragements merci hein également pour ma félicitation nyonso tout oyo o tinde la rabis en tout cas et komaka effectivement et merci hein merci infiniment hein na ba ndeko bazali surtout na libanda ya mboka. Alors, aujourd'hui, il faut quand même le dire, il y a tellement de sujets à aborder et nous allons creuser un peu plus en profondeur quand même pour, pour faire découvrir qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays. Surtout, Nao est allé lever un moratoire sur la peine des morts. Hein, parce qu'il faut quand même dire que, comme vous avez même Bakombo, il faut nani, Azala, le premier pour subir peine wana, que loi wana. Hein, évidemment, vous voyez, Bikombo, mais rien, vous le battez quand même. Et aussi, on va essayer d'aborder surtout l'état de l'élection et la gouverneure ou les Kalambo Kamabiso. Et pour cela, sur notre plateau, j'ai le plaisir de recevoir M. Jeff Badibanga, cadre de l'UDPS. Il est aussi coordonnateur adjoint de la structure. Le gardien du pouvoir. Le gardien du temple, du pouvoir, oui. Non du temple. Non, le gardien du pouvoir. Le gardien du pouvoir. Bienvenue, M. Jeff. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. C'est un réel plaisir de vous retrouver, vous, et aussi nos chers abonnés internautes qui nous suivent en ce moment. Après un temps passé au niveau, sur l'ensemble du territoire national pour battre la campagne pour le chef de l'État, qui y est réélu aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux et très fiers d'accompagner le chef de l'État à réaliser toutes les promesses qu'il a faites aux Congolais pendant la campagne électorale. Donc, vous êtes l'une des personnes qui a battu également campagne pour le chef de l'État. Ça, il faut quand même dire. Effectivement. On est très fiers, oui. J'en suis fier et je remercie le secrétaire général Augustin Kabuya. Nous étions parmi ceux-là qui se sont déployés sur l'ensemble du territoire national pour battre la campagne pour le chef de l'État. Le peuple nous a écoutés, le peuple a donné encore confiance, a fait qu'on a encore confiance à Félix Tshisekedi. Et c'est pour la toute première fois, il faut le souligner, qu'un président de la République soit élu avec au-delà des 70% des suffrages exprimé valablement au cours de ces élections que nous avons tenues, que beaucoup ont décriées, mais qui se sont passées d'une manière pacifique et les Congolais ont porté leur choix sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et maintenant, nous avons le devoir de satisfaire ce peuple qui nous a fait confiance, ce peuple qui nous a crié, ce peuple qui a donné encore confiance à Tshisekedi
attend beaucoup de ses pouvoirs. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, ce deuxième mandat, nga na kozala na ganté na maboko. Sali mabé na ko dénoncer. Même à taille chef de l'État, Sali mabé, à ma promesse n'a pas réalisé en moté ou attaqué. Non, dire que les promesses non réalisées, c'est trop dire parce que. Il y a autant de projets, c'est ce que vous savez. Effectivement, le projet du chef de l'État, c'est pendant 10 ans. On a présenté notre projet au niveau de Béatrice. Notre premier mandat, c'était sur 10 ans. Ce n'était pas sur 5 ans. Mais on savait que nous allons jalon te opposer dans le premier mandat, il y a un dans le deuxième mandat. On était sûr de nous. Voilà pourquoi tu es bien qui va Congomani. Bossa la biso confiance, tu copies sabino gratuité de l'enseignement. Amoni yango. Bossa la biso confiance, tu copies sabino le projet des 145 territoires. Et dans des villages, dans des secteurs, dans des territoires, bah Congomani, oh yo pona mbala liboso, bah moni lotidiki. Courant au éclairage public ba moni yango ba komisi tata mokonzi ya ekolo ba o ba moni ba école o etongami lolenge moko na ba école ezali awa na ville province ya Kinshasa ba moni yango et ces gens là ba moni ke to pesa di sous tu sais que di confiance pour être asala koleka oyo aza déjà na kati ya ko sale la bango. C'est pour vous dire que ba promesse o ezali ko ezali réaliser te na premier mandat tozali ko réaliser yango na deuxième mandat et to kotika sikoyo choix libre na population parce que la constitution nous oblige à faire des mandats. Ce qui population lobby, tu sais que d'y a continuer, nous allons continuer parce que c'est les souverains primaires. Ce qui va lobby que non, ça suffit, Moutoumoussou, soya, à ça la continuité, à Misala, Malamo, tu sais que d'y a ça dit, nous sommes dans la démocratie et surtout que l'UDPS, c'est le temple de la démocratie. J'espère qu'on répond vraiment à l'attente de la population. Peine, peine de mort. Loi Oyo, Joseph Kabila, Teraki, régime, il y a Félix Antoine Tshisekedi, il y a la Moussi, en mot. Cardinal Ambongo a levé les règlements des comptes. Cardinal Ambongo peut carayem ta levé le soutien Martin Fayulu qui n'est même pas d'accord avec cette loi. Union européenne n'est pas d'accord. Franck Diongo et tant d'autres ne sont pas d'accord avec cette loi. Finalement, on impose une loi aux Congolais. Vous savez, dans des circonstances pareilles, il faut prendre toujours des décisions qui sont impopulaires, mais qui peuvent apporter des solutions à la peine des Congolais. Dans des situations pareilles, quelles situations? Dans des situations pareilles où tous les Congolais savent que nous sommes infiltrés. L'infiltration est venue avec celui que vous appelez Joseph Kabila. Lorsque vous regardez l'entrée des Rwandais sur le sol congolais, ceux qui ont ramené les Rwandais sur le sol congolais, ceux qui ont donné la nationalité à masse aux Rwandais, celui qui a fait d'un Rwandais un chef d'état-major de l'armée congolaise, c'est la même personne que vous appelez Joseph Kabila. Moi, je pense que Kabila sait déjà que cette loi a coquille cause à la paix parmi bateaux et cause à la concernée par la loi. Parce que je ne peux pas comprendre que Yomuto Memela Biso et James Kabarebe, qui, en même temps, à la fois chef d'état-major armée congolaise et à la fois il est chef d'état-major armée rwandaise. James Kabarebe, nom des officiers supérieurs, na armée Nabiso au Bazali ba rwandais. Joseph Kabila fait des dialogues. Wana banya Rwanda bazali ko agresser biso. Bayaki na Afdel, bakoma ki na CNDP, bazo changer ba kombo kaka. Et à chaque fois, il y a des dialogues oyo bazali ki organiser entre ces prétendus congolais qui sont de Rwandais connus de tous. Ba dialogue et le gouvernement. Kimiate, il faut qu'on ait ba kongomani vérité. Pourquoi tu sais que dit Chilombo le président actuel refuse les dialogues? Parce que to yebi c'est nous connaissons d'abord le joueur et son jeu. Bango baya kaka kabongo, nous sommes des Congolais, des Tutsis Congolais. Il y a l'épuration ethnique. Balingi ba koma ba Tutsis, ba to baza ba Congolais, les Banyamulenge. Et à la fin, ils demandent le dialogue. Mais les Tutsis Congolais, on ose le bana baza na kati. Ah ouais, et baza pe na kati gouvernement la vie. Je vous ai dit, nous sommes infiltrés à un haut niveau. Dans l'armée, nous sommes infiltrés.
Dans la police, nous sommes infiltrés. Dans le renseignement, nous sommes infiltrés. Même au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes infiltrés. Même au niveau de la présidence, nous sommes infiltrés. Partout, nous sommes infiltrés. Ce qui est moni lelo, batoyo bazolo bamuto yo lobi que Joseph Kabila abomaki. Il avait aboli la peine de mort. Pourquoi Kabila avait aboli la peine de mort? Il savait que Yende Moutoukouti ça va Rwanda va infiltrer Bélé au niveau de l'institution. Je sais pas parce que droits humains là qui derrière. Droits humains. Qu'on se dise la vérité. Quelle est la première démocratie dans le monde aujourd'hui? C'est les États-Unis d'Amérique. Mais aux États-Unis, il y a la peine de mort. Les Américains, ceux qui ont trahi Mboka na Bango, tu mérites la mort. Regardez d'abord Oussama Ben Laden. Aboma ba Américain awa na ba tanta na ye aux États-Unis. Est-ce que ba Américain ba tala ki peine de mort? Est-ce que ba ba tala ki droit de l'homme plutôt? Ils ont utilisé leur droit pour se venger de leurs frères. Ba kota na Bamboka ba tu sans autorisation ya Bamboka wana kaka pona ko boma Oussama Ben Laden. Où était l'Union européenne pour condamner ça? Mais la même Union européenne au Yozolo Bakezo condamné parce que Tshisekedi a zongi si peine de mort. Bauti copé sa Rwanda 20 millions de dollars pour soutenir l'armée rwandaise. Bayebi que c'est l'armée rwandaise qui agresse la République démocratique du Congo. Bayebi que c'est l'armée rwandaise au bazo boma bande konabiso ba congolais à l'est de la République. Donc quand ngi ba signé qui protocole d'accord pour la chaîne ba minerai wana. Non, ils n'étaient pas venus ici pour signer des accords sur la chaîne d'exploitation et aussi la transformation en matière première. Ils n'étaient pas venus pour ça en République démocratique du Congo. Au Congo, ils étaient venus pour exploiter le lengo le bango bazali comme on a makamo. Le chef de l'État leur a dit que sengeli soki bouye bouye na porte ya monene. Et la grande porte, c'est le gouvernement congolais. Il faut que les Congolais puissent être aussi bénéficiaires de l'accord. Bango baboyi. Parce que tu sais que Dabisaki Bango, c'est gagnant-gagnant. 50-50. Eux ne veulent pas entendre cela pour Bango. Congo est d'abord na Bango. Ndenge basala ki ango na conférence souveraine à Berlin. Batika Congo, mututwa kuki kokota na Congo, azwa biloko na enenge alingi. Et comme bamoni ke, il y a un wazalendo, le véritable wazalendo numéro 1. Tshisekedi qui est amoureux de son pays, qui est patriote, qui veut que les Congolais puissent aussi bénéficier na ba richesse ya mboka na biso. Voilà pourquoi baboyaki, ba kei na zela Rwanda. Regardez ba minerai tout ba signa na Rwanda. Est-ce que Rwanda zala kana ba minerai ina te? Le roi bazui du sous 20 millions de dollars. Chaque année ba pesa ka armée rwandaise 20 millions de dollars. Pour basomba ka manduki, basomba ka ba technologie à Sika, l'Union européenne, je parle de l'Union européenne, va continuer na koboma ba congolais et que bango ba bénéficier ka na exploitation illégale. Il y a ba minerai na biso. Et c'est ces gens-là, lelo, tant ba moni que Tshisekedi a compris que la procédure utilisée ensemble avec leur colissier Joseph Kabila, il y a infiltré l'armée na biso. Parce qu'il faut le dire, madame. Batouana ba yebaki que la République démocratique du Congo avec un système de défense qui est fort, ba koti kalaka jamais ko piétiner mabele na biso. Il fallait infiltrer notre système de défense. Il fallait fragiliser notre système de défense en y injectant les infiltrés, les gens qui ont avec babato ba koki ko collaborer na bango facilement, bato ba koki ko corrompre facilement. C'est ainsi que ba koti cela biso ba Rwanda bele na armée. Barwanda Baza et Bélé le lon armé, lorsque vous regardez leur parcours, vous allez voir que ceux qui n'a guère aux alliés qu'au Salima, Banyawanda Bazali qu'au avancé, Bango Bazali qu'au Ebisaba, Soudan, Abiso, Mapinga, Abiso, Bosa la repli stratégique. C'est pas observer quand c'est l'effet. On doit observer les cesser l'effet. Meeting de Outil Nicolo. Meeting de Wana, président Yokarayamote. Mais c'est ce qui a poussé le président de la République à Ouzon qui s'appelle des morts. Il s'est rendu compte que ma traître Bazali est belé. Regardez aujourd'hui, il y a 11 officiers qui sont jugés au niveau des cours et tribunaux militaires, il y a Goma, pour fuite devant l'ennemi. Ça, ce sont des révélations. Comment y a un militaire au Lapandaï sous les drapeaux? Il y a Koukouf et la école. Ennemi Bazali Koya, yo yebisi ba militaire, tout ça la repli stratégique, okini otikeli bango ba localité na ba territoire. Vous avez vu Wendy,
Vichumbi. Il n'y a pas eu de guerre. Bah rebelle, bah continue, tu vas nous dire quoi tu en as d'accord. C'est avec la complicité il y a bas. Effectivement, il y avait complicité des deux adjoints, les deux colonels au Bazala qui bah adjoint à Chico qui étaient, qui sont originaires. Il y a bas Tutsi qui était entré dans l'armée suite à brassage, le mixage. Oh, et Salema qui en 2013 avec le même Joseph Kabila. Vous allez voir que Batumoko moko wana bazoya bazobisa ba militaire bazaki au front que bossa la repli stratégique. Alors que le général Chico qui était chargé de diriger les opérations ayebi na ye le côté. Vous voyez? Et tous ces gens-là na état otozali na yango. Aujourd'hui nous comptons plus de 20 millions de morts. Par rapport à la traître au Bazali na kati armée. La peine de mort est le règlement des comptes de Nenge Martin Fayoulou Ambongo Bazali Koloba. Même Ambongo wana. Mais le lobby était bao Bazali traître Bazali na kati gouvernement. Mais ce qui te le met tout temps un nombre ya ba traître parce que bao Bazali pour répondre na ba tante ya population que Bazali ba traître. Écoutez madame, je vais y arriver. Na ébition ni bandelia wa ke j'ai promis à la population congolaise qui n'a pas à la 100 gants au niveau du deuxième mandat. Je vous ai dit, ce qui est au sali mabe, tu peux dénoncer. Et Bélé, je vous ai dit que l'infiltration est en armée. Je vous ai dit, même dans l'Assemblée nationale, il y a des infiltrés. Même au niveau de la présidence, il y a des infiltrés. Je l'ai dit. Je vais na koya wana malembe malembe, mais nous commençons d'abord par l'armée parce que le système de la défense nationale, il y a une survie à Mboka. C'est là où nous sommes plus infiltrés. Ozomona. Lorsque Ambongo vous parle aujourd'hui, qu'ezali ba règlement des comptes. Les règlements des comptes envers qui? C'est la question que vous, journalistes, et Sengeli Botouna Ambongo, bazo régler compte nanani. Et pourquoi lui pense qu'ezali règlement des comptes? Ambongo en sait quelque chose. Naebi ke batulelo, ils ont information à copier cette, même si elle est katilobi. Regardez la communication, il y a gouverneur militaire, il y a Itour. A l'objet de la religion, notamment M. Labbé, a y a proposé une affaire. A l'objet de la religion. Qui est un bon mot religieux? Ça veut dire quoi? Oh. Mais je vous dis de vérité. Monsieur Jeff. Monsieur le gouverneur militaire à l'objet de religieux religion, va proposer et va faire. Ati kako sala musala na ya ko sécuriser population na territoire national. Ba kende ko sala ba kop ya ba minerai. Et il a cité à lobby bien, à bandit na ba religieux. Mais à la fin, il a dit, monsieur l'abbé, je n'ai pas peur de vous. Et ça circule. Oui. Mais, quelques heures après, Oyoki, cardinal Ambongo a lobby que non, la peine de mort est annulée. Ils ont le règlement des comptes. Donc, il ne se reconnaît dans ma cambo, ils ont. Parce que vous le savez, à chaque fois, tu sais que de prendre des décisions qui sont pour à l'avantage de la population congolaise, Ambongo intervient toujours. Gratuité de l'enseignement, Ambongo Ayakiao. Problème de 145 territoires, Ambongo Ayé. Le lobby a lobby très très bas. D'ailleurs, je lance peut-être avec votre autorisation. Bato bazo landabiso, ba comme la biso kana commentaire, baza pour ou contre la peine de mort. Okay. Vous allez voir que ces gens-là vont condamner cardinal Ambong. Lui, Ayazali religieux, pasteur. Mais tout n'a qu'à kabandiminaye wana église catholique. Baza pour ou contre peine de mort contre les traîtres. Et vous allez voir que Ambong est contredit par ses propres croyant. Lui se reconnaît, se retrouve dans la mafia. Oui, mais la religion, on va se retrouver trop dans la mafia. On a des accusations graves, on a le niveau porté sur un bon mot quand même. Est-ce que vous savez... Monsieur l'abbé, on a battu Congo à bon mot, à bon mot, à cardinal. Il est cardinal, mais monsieur l'abbé, le cardinal, le cardinal Nayo, vos seigneurs, parce que Bazali, seigneur Nangati Bachole, vous les appelez... Monseigneur. Non, votre seigneur, ce n'est pas mon seigneur. Vous les appelez comme ça. Ces gens-là savent quelque chose dans ma cambo, ils ont les canambo canabiso. Et voilà pourquoi bah intervenant à chaque fois avec avec un ton. Mais ils comme sont si... pour la population. Et quelle population? La population. Mais je vous ai donné l'exemple, madame. Lancez juste
un sondage à Botouna ba Congolais, ceux qui baza d'accord ou pas avec la peine de mort. Et comparez les résultats de votre sondage avec les dires, il y a vos seigneurs là. Au comparé à moi. Et vous allez vous rendre compte que, Batouana Bazali pour la population, ils sont contre la population. Tshisekedi décrète la gratuité de l'enseignement. Et ça prend avantage à la population, et ça en désavantage à la population. Mais Bango va télémer la gratuité de l'enseignement. Oui, mais Batali qualité, ça la quitte au côté. Madame. Au moins, la carte, ça va à l'école. Ben, à ceux qui sont, ben, à 200. Qu'on se dise la vérité. Tout le monde a la gratuité de l'enseignement. Bana ba kende kotanga ofele. To récupéré 6 millions d'enfants au babandaki kotanga te. Bango pe bayaka de 6h à 12h batangi. Ba ba koya ba après-midi de 12h30 à 17h bazo tanga. Na bana wana totika bango na balabala ba koma ba kuluna. Mais na qualité ni. Mais c'est ce que je vous dis. Non. Le problème est ceci. On doit résoudre ces problèmes-là en commençant d'abord à récupérer les enfants qui restaient d'abord na babalabala. Bazalana nous encadrer na école. Parce qu'aujourd'hui, problème à qualité, ça s'est posé sur terre. Nous avons les programmes, je vous ai parlé du programme des 145 territoires. C'est la construction des écoles, naba secteur, naba commune. On est en train de construire pour améliorer maintenant la qualité y a enseignement. Mais la première chose à faire, c'était d'abord de récupérer bano yo banaki kozo éducation ya mabé, ya komema ba gilette, ya kokata batu, ya kozo ba machette, bano na ba koma ba kuluna. Il fallait le récupérer. Il fallait le récupérer. Non, moi je l'ai toujours dit. Moi, je l'ai toujours dit depuis le début de la gratuité de l'enseignement. Le lot aujourd'hui, 6 millions d'enfants ont récupéré ma commis au niveau ya imaginez-vous ce qui 6 millions on a. Totika ki bango to lobina noté, to bongisana ba salaire ba enseignant, to bongisana ba école 3-4 ans après. Oui, oui, allez-y. 3-4 ans après. Imaginez-vous Banawana, tolinga kito zala na combien de kuluna? Tolinga kito zala na combien des enfants oyo bazo tambola na bala bala bakata kabatu machi? Mais malgré ça ba kuluna bazakaka. Eza dossier peut te mais c'est là que je vous ai dit que bato bazali à l'encontre il y a peine de mort. Ce sont ces gens-là qui cherchent la mort des Congolais. Vous savez pourquoi? La peine de mort est sous qui kaka na ba policier té, et sous qui kaka na ba phare de cité. La peine de mort concerne même l'insécurité urbaine. Ba kuluna o tuzali kolobe na lelo. Désormais, kuluna ozala jugé sous na ba tribunaux de paix. Ba otinda ye mbala. Non, écoutez, ba otinda ye yo osali insécurité et causé mort d'homme. Ba kopandra yo. Kanyamaka c'était ah ouais c'est quoi bazobo mayo yo bomi mutu l'état pe abomi yo et ça va servir d'exemple pe kobangi sa batu ba jeune musu so batikali na ville ya Kinshasa parce que batu bazobo na kaka peine de mort ezaka kapo na ba officier ba musu so balobi c'est pour régler les comptes mais ba moni bazoye bateke la peine de mort ezali pe pona ba kuluna o bazali ko boma batu chaque jour nous apportons des solutions partout. Avec cette peine de mort. Très trois ans à ta gouvernement. Très très haut le qui est dans l'Assemblée nationale. Au total. Pas moi, t'es pas allé. L'ancien président. Nalobi. Oui, allez-y. C'est la démocratie, l'expression des. On a dans notre constitution le droit de s'exprimer. Et pour cela, c'est garanti par la Constitution et vous n'avez pas à vous faire peut-être ou banga que non. Il n'y a pas de diffuser l'image de ma policier. Nous ne sommes. Je peux dire au général Kilimba Limba que ça, c'est le régime de l'UDPS. L'UDP, c'est la démocratie. Lorsque les policiers ne se comportent pas bien, les peuples, la population, les Kinois ont le droit de dénoncer cela. Et vous n'avez pas, et vous ne pouvez même pas se baser sur un seul article ou disposition de la Constitution ou d'une loi où ils allaient permettre à ceux qui congolais à dénoncer les policiers, où ils allaient qu'on cater la batouba, ceux qui m'ont dénoncé, nous avons le droit de s'exprimer
librement. Et puis, moutou, a koki kobang sa moutou, a zalite. Voilà, je disais, na katia gouvernement makambo yozali koloba. Ce n'est pas étonnant que vous verrez plusieurs personnes, mboso aloba ki yango. Chers collègues, quittez les groupes armés. Batoua na tout renseignement ici et l'andeli bango. Batoua na tout bazassou. Est-ce que yo yebaki ke mwanga chouchou, il était député, non? Si. Bakanga ki endengeli. C'est pour vous dire que batoua bazo mon en armée, peine de mort isaka en armée te. Ata na gouvernement isali. Ata na cabinet à chef de l'État isali. Ne soyez pas surpris. Oui, ne soyez pas surpris. Donc, le nom Koki, papa, chef de l'État a Koki, Makambo Yasali. Ezali, tellement important, parce qu'il savait que même l'entourage Naye, Nabatunyo Soyo Azali, qui travaillait Nabango, va très très Azali. Voilà pourquoi Azali, ça qui est le Kouana. Et d'ailleurs, le Kouana est le qui n'a conseil des ministres. Batoubaye dit en côté. La ministre de la Justice, Rose Mutombo, a même qui a mon conseil des ministres. Suite, il y a demande à ba Congolais. Ba Congolais, on a dit que, à chaque fois, vous avez un traître, vous avez une prison. Et au bang, ça va au batikalité. Ba yebi kake ba okanga na ba otinda na na prison. Ye asia tongi ba biloko ebele. Ye asia sali na mbongo oyo azui na trahison wana. Azui ba biloko na yebele. Men lelo, tozali, kope sa tata mokonzi ya ekolo matondi. Parce que, oyo ye asali, même de ministre, ba kandiyo yo yibi mbongo aneta ba pesio projet 100 jours. Yo yo yo. Oui, mais bah, combien va détourner déjà Mbongo? Mais donc, combien va continuer pour détourner Mbongo? C'est ça le problème. L'application, il y a l'eau en aïe, c'est ça les mamans. Et que ça les mamans. D'ailleurs, je vous ai dit que 11 officiers militaires vont aller juger la cour des tribunaux. Ce qui va condamner Yokaka na peine capitale, tu causes la yon à martyr. Comme tu as dit, tu as pendre et tu as dit que tu es un martyr. Et que ça sert d'exemple à la dictature. La dictature. Donc, aux États-Unis aussi, il y a un dictateur. Mais pourquoi vous avez l'exemple d'État? Mais c'est ça même la vieille démocratie. La meilleure démocratie au monde dans le monde, c'est les États-Unis. Mais pourquoi Bangopé peine de mort aux États-Unis? Donc, pour nous, le pays ne recule pas. Le pays ne recule pas, mais le pays avance. Pour Nako, l'Ongola va infiltrer au niveau de l'armée. Pour Nako, l'Ongola va infiltrer au niveau de la police. Pour Nako, l'Ongola va infiltrer au niveau de renseignement. Pour Nako, l'Ongola va infiltrer au niveau de l'institution. Pour les amis, pour gérer le cannabis, et Sengeli va très très bas à la exécuter et bon monde de Kolongola va infiltrer au Yoba Kotaki Awa depuis 1997. Et d'ailleurs, j'ai juste interpellé le Cambodge James Kabarebe, mais vous devez savoir aussi que même sous Mobutu avait eu un directeur de cabinet qui était rwandais. Ah, ça c'est un danger. Au bah, Rwandais, va porter la biso, Awa va infiltrer la biso depuis Mobutu. Et cette histoire avec Tshisekedi, pour battre nous, c'est le Tshisekedi, il y a aussi sa vie. Mais Babi, non, Babi, il y a un bon bail, il cache quelque chose. Oui, Tshisekedi. Il ne nous dit pas. Ah, hein, il cache quelque chose, et c'est quelque chose là, Ndekosepelisa va congoler. Une bonne chose, une bonne chose. La bonne nouvelle, la meilleure des choses, le Congolais va découvrir dans quelques jours. Il y a un Tshisekedi à Lukobomba. Bis autant que tu as eu des pestes. Il y a qui a réussi, et il y a des gens qui ont démenti en moi qui ont réussi. Mais finalement, qu'est-ce qu'il veut au juste, Félix Tshisekedi? Il veut que le système de défense yaba congolais est à la assuré par les Congolais. C'est tout ce que Tshisekedi veut. Oh, ici, oh, boy. Oui, il y a des projets, des collaborations bilatérales, des relations diplomatiques, les accords sur le plan de défense. Tout comme ça, là, Yango. Non, mais ici. Oui. Ça existe d'ailleurs depuis 1993, si je ne m'abuse pas. Ça existe. Mais ils ont appliqué. Mais tu sais qu'il réactive. Mais pourquoi il a réactivé l'option Yabarus? Là, peut-être parce qu'ils ont dit, demain, nous allons élargir, donc on va faire le loté. Écoutez, va démentir en haut. Par qui? Pour démentir l'information de la présidence. Par qui? La présidence, bien non, sûr. Non, c'est mais... M. Mouyaya qui avait mis les points sur les i. Ça n'a pas été démenti. Mouyaya a dit que Ebandina, tu sais que dit, mais Ebanda qui déjà qu'elle a un projet qui date.
Je l'ai communiqué avec moi. Ok. Très bien pour cette étude. Il a dit que ça, projet réseau daté bandakala, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, c'était le gouvernement russe au outil Kondima Makambo et Bandaki depuis Kala. Mais pourquoi la Russie a attendu seulement l'avènement de Tshisekedi pour Baya Kondima, accord militaire Wana? Et lorsque vous lisez même, parce que si vous avez Makambo, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que parce que lorsque vous regardez l'investiture de Tshisekedi, les gens ne savent pas pourquoi Cyril Ramaphosa était le dernier président Yaokoma en retard. Et puis, dans le monde, investiture cérémonie, il fallait qu'il y ait 11 heures. Mais pourquoi il y ait qui avec 2 heures de retard? Et pourquoi? On attendait Cyril Ramaphosa, qui était porteur de message de Vladimir Poutine. Poutine a tindé un message qui a été tweeté par le ministre d'Affaires étrangères russe. Il a félicité Tshisekedi pour sa réélection et il a dit que tout ce qui a été prévu se réalise. Eh bien. Et je ne peux pas entrer parce que on est allé Makambo Muzindo Mulai. Et le message a été envoyé à Tshisekedi parti par l'entremise de Cyril Ramaphosa. Et qui est Cyril Ramaphosa? Il est le représentant, il y a BRICS au niveau de l'Afrique. Le seul pays africain où les Alina Kati, il y a BRICS, c'est l'Afrique d'ici. Et si vous regardez les troupes de SADC, au Razali aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, c'est l'Afrique d'ici qui contribue majoritairement à la troupe Wana. C'est entré au niveau de la BRICS. Et je vous informe que Batunabino et Américains ou Bobenga comme partenaires privilégiés. Ils nous ont bloqué la transaction. Il y a Osomba Mandu qui a armée congolaise au gouvernement et déboursé pour acheter des armes pour la combattre au Rwanda. Bango va bloquer transaction. Et aujourd'hui, lorsque vous avez appris de la part du chef d'état-major sud-africain, Oyalobi, nous allons déployer toute la logistique nécessaire pour combattre le M23. C'est lorsque Tshisekedi Amoni Bamakamonizalikosalema, il a dit qu'il faut se tourner maintenant vers la Russie et la Chine. Vous avez même entendu, lorsque la Chine et la Russie ont pris la parole au niveau du Conseil de sécurité, ils ont demandé à nos pays membres de faire, d'interpeller Kagame et qu'il puisse se prononcer clairement. Ce qui, aux alliés Kosalema na Est, aux alliés Rwanda, Bango va intervenir et ils vont appuyer avec des armes la République démocratique du Congo pour mettre fin à l'insécurité à l'Est de la République. Donc, aux alliés communiquer, c'est pour juste mettre les points sur les i et vous dire que cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui, mais la Russie a accepté de collaborer avec la République démocratique du Congo, avec Félix Tshisekedi, qui a fait un grand travail de convaincre Vladimir Poutine. Très bien. Alors, on va parler de élections de gouverneurs. Nakati, il y a eu deux PS, il y a deux candidats. Et pourtant, d'après vos articles, article 65, qui dit que quand on représente ou quand il y a une personne qui s'est déjà présentée, il y a une autre personne à vous se présenter, le soutien, il doit désister. Mais qu'est-ce qui se passe, Nakati, il y a eu deux PS? J'aimerais dire que l'UDPS n'a pas de candidat. Comment ça? Dans la Daniel Bumba, dans la Déo Kassongo qui est de l'UDPS, il a dit. Oui, nous étions avec Déo Kassongo. J'étais également avec Daniel Bumba. J'ai suivi les deux. Bumba a été présenté par Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, dont je salue, comme candidat gouverneur de l'UDPS. Mais nous savons que avant d'être investi comme candidat de l'UDPS, vous devez passer par la CEP, la commission électorale permanente. Qu'on nous dise et qu'on nous brandisse les mandats au CEP et Pesaki Daniel Bumba pour la candidat à l'UDPS. Mais c'est ça l'UDPS. Vous m'aviez dit, vous m'aviez brandi l'article 65. Et moi, je vous dis, même le chef de l'État Tshisekedi Félix a été investi par la CEP. Il a reçu mandat de la CEP pour être candidat de l'UDPS. Être candidat de l'UDPS, c'est Routa Kanamounokwa Moutouté, qui qu'il soit. J'ai beaucoup du respect pour le secrétaire général, dont je soutiens. Mais ici, c'est ce que les tests disent. Le candidat doit être investi. Au moins, la liste est tout. UDPS a aligné qui n'a députation. Bazala qui est investi par la CEP.
Est-ce que Daniel Bumba est investi par la CEP? Point d'interrogation. De Kassongo, il se reconnaît membre de l'UDPS. C'est quoi, Augustin Kabouya a violé le règlement d'ordre intérieur et à l'UDPS? J'ai posé la question, je n'ai pas dit Augustin Kabouya a violé. J'ai posé la question qu'on nous brandisse le mandat où ils allaient investir Daniel Bumba comme candidat de l'UDPS où il est outil à CEP. Parce que je sais jusqu'à présent, CEP est qu'il a investir Moutouté comme candidat de l'UDPS. Ce qui, si je ne suis pas informé, qu'on puisse me brandir, na kati émission na zali ko sala. Kabouya lobby à lobby à lobby de Okasuma pour mona à mona yé sur Kazara nani. On a entendu, on a envoyé des informations relayées dans ce sens-là. Bon, là ça regarde. On ne veut pas désister à mona. À mona bon. Nous, moi, je sais que l'UDPS est le temple de la démocratie. De Okasuma ne s'est pas présenté comme candidat de l'UDPS, mais il s'est présenté comme indépendant. Alors, ce qui a se présenté comme candidat à l'UDPS, voilà, le patron de l'UDPS à Omona. Pourquoi on le baillait de la pointe de presse naïe, que y a l'UDPS, à l'UDPS depuis, à côté l'UDPS depuis Kala. Vous savez que chef de l'État est membre de l'UDPS? Si, on le sait. Il s'est présenté à la magistrature suprême. Alors, quelle loi a été violée? Mais les autres ne portent pas des occasions. C'est ça le problème. Le problème ici, c'est quoi, madame? On est en train de chercher les gens qu'on doit contrôler. L'histoire des politiques ici, dans la ville de Kinshasa, nous avons plusieurs exemples. Le chef de l'État a dit, les erreurs du passé, on nous a présenté des candidats ici, les Kassai Oriental, ma chère province natale. Combien de candidats gouverneurs de la PC Kassai Oriental, issus de l'UDPS? Présenté par l'UDPS, Ozu Maweja, rien du tout. Conseil des ministres provincial va tenir Ramona Chiluba. Candidat investi par qui? Par l'UDPS. On doit se dire des choses, mais il y a moi, au deuxième mandat, na obeta, na olongolaga. On doit changer les choses pour aider les chefs de l'État. Bah, tu vas que tu sais que des autres travaillent. On a besoin de têtes. On n'a pas besoin que moi, na UDPS. On a eu Maweja, na Kassai Oriental. Tu perdre combien d'années avec Maweja à Salini? De l'autre côté, Maweja Batier Mathias présentait l'issue Kaka na UDPS, on a candidat de l'UDPS. Il a fait quoi? Aujourd'hui, c'est le troisième gouverneur Oaza na Kassai Oriental. Kaka na UDPS, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la province du Kassai Oriental? Sauf que na Kassai Central, la même chose. Kassai, la même chose. Madame, on a besoin de têtes. On n'a pas besoin de bateau. On a présenté. Ces gens-là présentent les gens pour avoir les contrôles sur eux, pour les contrôler. Donc c'est pour les contrôler. Kinshasa a besoin de quelqu'un qui s'y connaît en investissement. Je vous dis, il n'y a pas besoin de faire il n'a pas comment ça? Comment ça, bah, Indien Abedachour va contrôler? Il travaille avec Abedachour, il travaille avec les Indiens. Deon ne travaille jamais avec les Indiens. Deon, c'est quelqu'un que moi, je soutiens personnellement parce qu'il a des idées qui valent de l'or. On doit se dire la vérité dans la ville de Kinshasa. Quelqu'un qui n'est pas aux affaires, est-ce que vous avez dit que le centre financier, c'est de l'eau à tout le monde, il y a Paris, ou soit Allemagne d'Afrique, comme il y a, ou tata mokonza ekolo alakaki. Mais qui a fait que l'Allemagne d'Afrique, on est mon ananano dans le centre financier? C'est de l'eau à son. Vous voyez aujourd'hui Arena. Regardez côté à Stade des Martyrs. Bah, qui n'a tout basé les kawana. Arena, ils ont tonga mawana. Demandez na bato baboli de Okasum. Nani a meni ba investisseur au baso tonga Arena wana. Pour la toute première fois en Afrique centrale. Que Arena wana, otomona kanaba fali, bakima kabakenda kapari, bakendobeta na Arena. Baso tonga ngo na Kinshasa. Qui a mené ces gens-là? C'est de Okasum. Mais pourtant, Babi ba projet n'est-ce qu'à bandi ko amorsango ko Martina Soukade. Mais vous avez vu les centres financiers? Les chefs de l'État qui ont dit qu'ils inauguraient ou pas? Et comment ils ont fait? Ils sont pour autant ici. Là. Oh, na lobby boye, ba inauguré yango. Ba bureau est comme utilisé. Ba bureau wana est utilisé. Comme ils ont fait ou pas? Madame, il y a toujours les gens qui ne veulent pas que Kinshasa puisse changer. Le lot Kinshasa, tu as la possibilité de faire technocrate. Ma mère a des occasions, c'est parce qu'il n'arrive pas à gérer.
Batouana ba linga kayango na ebisio ba traître baza ebeli cette fois-ci nga na longo liga bazo luka ba cha gouverneur soki aza na posa son balopango 2 millions atindi abengi ye mudi naza posa 2 millions bazu datindi li au lieu de servir le peuple bali ko servir bango yango moni ba mususu ba immeuble na bango ekoyaki mukolo ya lobby kuna na nani ba misala na bango ya ba politicien wana le kinwa le kinwa le kinwa tozolo ba makambo ya ville ya Kinshasa kaka na kati ya ville ya Kinshasa tozolo na makambo ya ville ya Kinshasa ville ezo mérite mieux la ville n'a pas besoin ya ba politicien ville ezo besoin na ba technocrate les gens qui ont la tête les gens qui peuvent développer la ville au moni Kinshasa le lo ba kobele komi partout Nakamwe le lo sur le place de la place des artistes na l'équipe on a la victoire na couti poubelle place des artistes yangoyo place batu babandeki ko kanga ba photo batu bazoyo kabilengi ya place des artistes ce qui album a wera ya jibe bini batu batondi wana bake ko luka cd le lo poubelle et tondi wana il n'y a qu'une seule personne qui peut redorer l'image de la ville de Kinshasa et c'est Deo Kasson. Regardez Mouto Yoyo Tangelinga et Daniel Bumba. Il a été invité dans une réunion avec les députés de l'UDPS, les députés provinciaux de l'UDPS, avec les députés provinciaux des 4 AC. Au courant de la réunion, Bumba Alali, les députés ont été déçus, les députés provinciaux. Comment y a une réunion Yamouké va présenter Bisso Kantike dans l'UDPS. Comme une réunion Yolali. Écoutez, ce qui a bandi là, la nan nous tozana débit. Et bien, quand on va gouverneur, na bureau climatisé, bambon gozo, kota de gauche à droite, au salade. Kinshasa a besoin de quelqu'un qui est souple. Kinshasa a besoin de quelqu'un qui a déjà un carnet d'adresse. Nous, toi, y'a dit qu'il travaille avec les Tidéo, il travaille avec des Turcs. Y'a beaucoup de monde qui a travaillé en non, j'aime quiconque a des filles. Aga qui s'engage, un jeune, il y a travaillé en Nanani. Abe Bachour yo tangi wana bo bazo lo bazo ba batwazo azamwa na musala wazo azamwa na musala Abe Bachour de Kasongo azali entrepreneur o a créé ba o yaye Abe Bachour ibele donc Abe Bachour peut être employé par de Kasongo parce que de Kasongo le lo yé bishobe ziza yaye divo ziza yaye donc il a déjà prouvé la Kinshasa na entreprise na yo a engagé ba congolais belé a bimisi ba Abe Bachour parce que Abe Bachour a zamwa na musala tata na ye Abe Bachour a zalaka ni lokote makambu tu boyo kaka wana ezabi lo kwa papa na ye et c'est lui qui gère et le nom nous avons de Deo Kasongo qui a créé d'autres Abe Bachour dans la ville de Kinshasa et qui fait aujourd'hui que Kinshasa to tonga yango yo mona ki chef de l'état qui ndaki Turquie. Tu sais carnet d'adresse à aucun des Turcs ou t'as pas de haut casson. Donc, tant que mon oiseau va être dans choix du président. Il est le choix du président de la République. Et pour te confirmer, Bazoko Sabino, l'Union sacrée a présenté Daniel Bumba. Posez-vous la question. Et Bambi FD, c'est pas Zali derrière. Posez-vous la question. C'est ce que je vous dis. Posez-vous la question. Qui est le vice-gouverneur du ticket de Wokasumo? C'est le secrétaire général de l'AFDC a demandé Sabati Lukwebo, M. Guy Richard Malonga, appelé communément par Bafan Naye TGV. C'est pour vous dire que le choix est porté sur la personne parce que chef Aye dit que Moutoso Kayena Kinshasa, Kinshasa est au coma Berlin. Au niveau, il y a République démocratique. On aimerait voir ça, fidèle téléspectateur. L'émission est terminée. Merci beaucoup, M. Jeff Badiba. C'est moi qui vous remercie et. Tout est bien ici, et surtout, les députés provinciaux, pour décevoir les Congolais, les Kinois, les Kinois, ils ont posé mon adéo à Zalawana parce qu'il a la vision du chef et c'est le choix du président de la République. Bolanda Biloba, le Bayabatouanate, regardez, Ndenge Bamakambouizali, pour les cas, n'a pas si par exemple, mais Ndenge va réussir, n'a pas bondissé la province, ou IDP, ça doit quitter. Mais aujourd'hui, avec un technocrate, tout peut changer dans la ville de Kinshasa. Mais vous avez compris, hein? Vous avez compris, Nanyangwa Dinga contre les villes de Kinshasa. Vous avez compris. Merci. On se retrouve prochainement. Au revoir.